Allez. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de frein. Là, on entend la pompe ABS qui charge. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était la pompe de direction. Sauf que non, c'est la pompe ABS qui charge. Là, on a les voyants devraient s'arrêter. Voilà, les voyants se sont arrêtés. La pompe s'est arrêtée. On va couper le contact. On entend bien la pompe à l'arrière, je vous le refais une fois. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Pourquoi il y avait le voyant de la batterie qui s'allumait? Ouais, et y a, quand j'ai démarré, il y a eu le voyant de la batterie pendant quelques secondes qui s'était allumé, j'ai pas compris pourquoi. Ouais. Ouais, oui. On tourne à combien là? Trop vite là. Bon, on est sur la route avec la Ford. Bien, donc c'est apparemment c'est les ordres qu'il reçoit qui sont perturbés ou pas corrects en fait. Régler, vérifier, ça devrait être bon. Niveau mécanique elle-même, ça n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Ça tourne impeccable ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça roule hein? Ah ouais, franchement. La voiture qui est pas sortie de son garage depuis 3 ans, c'est quand même pas mal quoi. Ouais. Les abrutis n'avaient pas cadossé les voitures. Ils sont en parfait état. Hein. Les PC, là, sont en voiture. Là on n'est plus en 2022, on est en 86 les gars. Bonne chaîne, c'était déjà ce qui se faisait déjà de mieux à l'époque. Ça peut pas être mauvais, c'est l'actuel, c'est meilleur, mais là c'est déjà du bon son. Tranquillement la soirée, tu rentres, tu mets la musique, là t'es tranquille. Ouais. Elle arrive au loin. Une grande routière. Un luxe. Une robustesse, un confort. Un luxe à l'américaine.